Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo très courte pour terminer 2021. Alors, ce n'est pas vraiment pour faire un bilan parce que l'année 2021 a été très compliquée de tout point de vue, aussi bien professionnel que, on va dire, au niveau des vidéos. J'en ai publié relativement peu. En fait, tout est un peu lié. J'ai eu une année très très chargée, notamment depuis la rentrée où j'ai assez peu de temps, il faut le reconnaître. Et j'ai en parallèle un ordinateur qui a eu un énorme plantage fin juillet, je crois. Et depuis, il m'est quasiment impossible de faire le moindre montage. L'ordinateur plante systématiquement. C'était déjà très compliqué les mois précédents. Bref, un ensemble de points qui ont fait l'année 2021 comme étant une mauvaise année, hein, en termes de publication. C'est une évidence. Désormais, j'ai mon nouveau matériel. C'est tout récent. Je l'ai reçu hier. Alors, ce nouveau matériel, eh bien, c'est tout simplement un MacBook Pro 14 pouces pour l'ordinateur. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, ce n'est pas l'ordinateur que j'ai acheté pour faire du montage vidéo à la base. Hein, c'est vraiment un outil professionnel. J'en ai un besoin qui est assez spécifique, hein. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, c'est pas l'objet. Quoi qu'il en soit, cet ordinateur va être le bienvenu parce que pour les montages, ça va quand même simplifier énormément les choses. J'ai également dû changer mon smartphone professionnel qui était lui aussi un peu à bout de souffle, hein. C'était un OnePlus 6. Eh bien, j'en ai profité pour faire du tout Apple. Je suis désormais sur un iPhone 13 Pro et je filme avec, d'ailleurs en l'occurrence. C'est pour ça que le son est un petit peu moyen parce que je n'ai pas mis de micro, je fais très très simple, hein. En tout cas, voilà, nouveau matériel pour la fin de l'année. Ça va me permettre d'entamer l'année 2022 sur de bien meilleures bases. Alors oui, en plus, je me suis fait un petit plaisir, hein, je le reconnais, avec une Apple Watch, tout simplement. Bon, ça, c'est mon petit cadeau de Noël pour associer l'ensemble. Bref, année 2021 qui se termine, année, on va dire, allez, un peu en berne, hein, ça n'a pas été une bonne année. On espère que 2022 va démarrer sur de bien meilleures bases. Quoi qu'il en soit, cette année 2021, eh bien, elle se termine. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt, début 2022. Salut tout le monde!